Je m'appelle Sébastien Coupy, j'ai 40 ans, j'habite à Saint-Leu, île de la Réunion. J'enseigne le parapente, la natation et le kitesurf. Alors, il y a tout juste un an, l'année dernière, je me faisais opérer du genou suite à un accident en kitesurf. Je me suis pété un croisé et ça m'a permis un petit peu de refaire le calme dans ma vie, de faire le point. J'ai passé du temps à Cabreton au centre de rééducation avec les sportifs de haut niveau. Et j'ai réfléchi sur ce vieux projet qui est remonté un petit peu au goût du jour, de traverser Maurice-Réunion en kitesurf. Et ça a été le début en fait de toute la préparation physique. J'ai enchaîné la rééducation avec la préparation physique spécifique pour préparer mes cuisses à cette traversée. Donc le chemin le plus court entre Maurice et Réunion, c'est la distance qui sépare le Morne, Brabant, dans le sud-ouest de Maurice. Et en tirant un trait, on touche la côte réunionnaise au plus près à 180 km à Sainte-Rose. Donc Sainte-Rose, ça tombe bien parce qu'il y a un port de pêche. Ça permet de pouvoir définir une ligne d'arrivée idéale, ne serait-ce que pour les bateaux suiveurs, ne serait-ce que pour les médias et ne serait-ce que pour moi aussi, parce que moi, le plus court chemin sera le mieux. Le point de départ de cette aventure, ça a été tout simplement la traversée en planche à voile qui a été effectuée par Bloody Marshall. Donc je me suis dit, bon, ben, si lui l'a fait en planche à voile, un jour, il faudra bien que quelqu'un le fasse en kite. Et puis ça a traîné, on a laissé passer des années pour la bonne et simple raison que le matériel n'était pas encore suffisamment performant et sécuritaire pour pouvoir s'aventurer dans une longue distance comme ça en pleine mer. Et aujourd'hui, le matériel est super performant. Je me suis dit, de toute façon, à un moment donné, quelqu'un va faire cette traversée. Et pourquoi pas moi ? Là, c'est parti ! À l'arrêt ! Je ne connaissais pas du tout Sébastien, c'est quelqu'un de la SNSM qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, il y a un kitesurfer un peu fou qui veut faire la traversée, Maurice Réunion. J'ai dit pourquoi pas, et c'est quand on m'a un peu exposé la nature du défi que j'ai demandé à rencontrer Sébastien, et je lui ai dit banco, moi je vais assurer donc la sécurité, c'est important parce que j'ai le bateau qui s'y prête. Première condition, c'est que le bateau puisse affronter la haute mer, ça c'est une première condition, donc on part pas avec une petite embargation. Deuxième condition, il faut un bateau rapide. Ce qui peut paraître paradoxal parfois, parce qu'affronter des grosses vagues, c'est contraire à la rapidité. Là, il nous fallait quand même un bateau qui puisse naviguer à une vitesse de 15 nœuds à 18 nœuds, ce qui représente presque 30 km/h sur l'eau. Alors, au niveau du matériel pour traverser, il me fallait trouver à la base une bonne planche. Il y a tellement peu de défis comme ça, ou de gens qui font des traversées, des longues traversées, que soit ils se chèpent eux-mêmes leurs planches, soit ils font avec des planches du marché, mais bon, il y a tellement de choses qui existent au niveau des formes, des volumes, des longueurs, des qualités des matériaux utilisés. Disons que les voiles sont beaucoup plus accessibles, elles tolèrent une plage d'utilisation beaucoup plus grande au niveau de l'intensité du vent. Et avec la même voile, on peut couvrir d'énormes plages de vent, ce qui nous permet en fait de pouvoir finalement penser à une traversée avec la même voile. Entre les deux îles.
Concernant la préparation, c'est vrai que Sébastien est venu me voir au mois de février pour commencer à planifier donc, les premières séances de fond. Et c'était un peu juste parce que, on avait 4 mois devant nous. Je lui ai dit, écoute Sébastien, ça va être vraiment, vraiment juste. Donc il va falloir attaquer directement par du vélo, des séances très très longues, aussi bien en navigation qu'en vélo pour obtenir une bonne caisse, quoi. Et ensuite, on a abordé le travail spécifique. Donc concernant ce travail spécifique en salle de musculation plus particulièrement, eh bien, on avait fait des séances de contraste où physiquement, ça a été très difficile. Et vraiment, Sébastien, dans ce cadre-là, a été vraiment très, très scolaire, j'ai envie de dire. Ça a été très intéressant de travailler avec lui parce que c'est difficile comme séance. Et je pensais qu'au bout de quelques séances, il me dirait « Bon, David, j'en peux plus et tout. » Mais on voyait vraiment que sa motivation a permis de le transcender. Et il faisait toutes les séances avec vraiment rigueur. Et on a obtenu un résultat, j'ai envie de dire, par rapport à la période qu'on avait de travail courte. Et ben, on est rentré dans les cadres, alors que je pensais que ça passait pas. Et là-dessus, Sébastien était vraiment, vraiment, vraiment sérieux et le travail a payé. Donc, quand le vent est tombé, ça a été assez stressant parce qu'on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Avec le bateau, on effectuait des cercles tout autour de Seb pour, un, ne pas le perdre de vue dans les creux de 3-4 mètres de houle. Et vu que son aile était plus en l'air, du coup, la visibilité était beaucoup moins bonne. Deuxièmement, pour les éventuels prédateurs qui auraient pu rôder en dessous de lui. Bah, finalement, au bout de 35 minutes, le vent est rentré et Seb a pu repartir et ça a été un grand soulagement. Il a repris sa traversée. Oui, je t'entends. Ok, sud. Le webmaster du défi Kite. Mon rôle a été de réaliser le site internet du défi. Ce site a permis à la fois de suivre toute la période préparatoire du projet, la recherche des partenaires et la préparation physique de Seb. Mais le point fondamental du site, ça a été le suivi en direct de cette traversée. Ça a permis à plus de 6000 personnes de suivre l'évolution de cette traversée et d'envoyer des messages de soutien à Seb. Alors, je sais plus quelle heure, il avait fait 100 km. Donc en fait, là, il doit être à 60 km à peu près. Mais voilà, il arrive hein, tout doucement. Là, il est 2h25. Il a une heure d'arrivée, là. Donc s'il garde sa moyenne à 17 nœuds, il a 33 km. Pendant cette traversée, je n'ai pas eu de phase de doute, je n'ai pas eu d'incertitude. Je pense que c'est dû au gros travail de sophrologie qui a précédé. Je me suis répété en fait une phrase que m'a proposé de me répéter le sophrologue, qui est toute simple, hein, qui est la suivante. C'est « Moi, Sébastien, j'ai confiance, je vais au bout du défi. » Par contre, j'ai eu des douleurs au niveau des talons, au niveau de la position en fait. Et ça, c'est terrible au bout d'un moment, mais... Et puis ça devient terrible de toute façon à la fin. Et puis il y a un mélange de douleur avec d'euphorie de voir la côte arriver qui gomme en fait toute cette douleur.
ce qui m'a complètement abasourdi, c'était de voir cette immensité de la mer et puis de voir ce petit point qui s'approchait. Et donc il y avait un espace-temps et faire 180 km pour arriver dans un mouchoir de poche qui est le petit port de Sainte-Rose, ça semblait... Le moment d'émotion, ça a été vraiment quand il s'est approché et quand on a pu vraiment le distinguer. Et puis quand il y a eu le balai qui s'est mis en place dans le ciel avec les ULM qui venaient, qui nous frôlaient, le jet ski qui part à sa rencontre. Toute l'équipe à ce moment-là s'est retrouvée dans le même instant d'émotion en se disant « Putain, il l'a fait quoi !» Il l'a fait et il arrive pile poil à l'endroit où on avait prévu de le retrouver quoi. Et ça c'était excellent. Ouais Yes, le Seb. Okay. Bravo. Mais je réalise pas quoi. Ben, bravo, ouais, excellent. Il l'a fait. C'est ma grande fierté d'avoir amené donc ma planche de l'autre côté et puis toute l'équipe qui m'accompagnait. Je suis super content pour moi et puis surtout pour eux. Et tout a fonctionné parfaitement. Quoi. C'était vraiment la journée idéale. J'avais finalement mal partout, mais sur la fin. Et sur la fin, avoir mal partout, c'était pas bien grave. L'édito de Fabien Jean-Jean. C'est pas si souvent que ça arrive, l'initiative valait la peine d'être saluée. Vendredi dernier, Sébastien Coupy a donc effectué la traversée Maurice Réunion en kitesurf. Cette pratique consistant à se faire tracter par un mini parapente sur une planche de surf. Un défi qui peut paraître farfelu à beaucoup, voire anecdotique. C'est vrai, après tout, le kitesurf, on connaît mal. Pourtant, la prouesse de Sébastien Coupy est une leçon à retenir au moins pour trois raisons. D'abord, l'exploit sportif, bien sûr. Franchir les flots houleux séparant les deux îles sœurs sur une planche de surf en 6 heures, 180 km de montagne russe en plein vent. C'est digne d'être salué à tel point que l'exploit sportif entre dans le livre des records. Ça n'est pas rien. Ensuite, la démarche. Réaliser une prouesse en mer, ce n'est pas tous les jours à La Réunion qui a tant de mal à se tourner vers son littoral. En ralliant les deux îles, non seulement Sébastien Coupy fait une promotion remarquable pour ce sport nautique d'un nouveau genre, mais prouve que l'environnement océanique de La Réunion existe bel et bien. S'il n'est pas rare de voir les abords de Maurice prisés par les fans de sport nautique, nous sommes vraiment loin du compte. Et bien voilà qui va réconcilier tout le monde. De Maurice à La Réunion, la mer peut être un terrain de jeu, voire un terrain d'exploit loin de notre frilosité habituelle. Enfin, le coup de pub, voilà un exemple bien concret qui peut conduire les fans de glisse du monde entier à enfin tourner les yeux vers un endroit qu'ils connaissent mal, voire pas du tout. La Réunion, bah oui, je connais, c'est là où il y a eu le record de kitesurf en mer. Après les surfeurs et la fameuse gauche de Saint-Leu, voici donc une nouvelle corde qui se greffe aux multiples qualités que possède notre île en matière de loisirs, des qualités qui ne demandent qu'à être mises en valeur. En résumé, on aurait tort de limiter cette belle prouesse au simple défi d'un sportif un peu fou. C'est en braquant les spots sur ce genre de choses que La Réunion sortira du fait noir en matière touristique. Encore bravo à Sébastien, ça c'est du sport. Bonne journée sur Festival. Téléphone à madame, mon quartier. Oh, téléphone à madame.